Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une guitare qui est rentrée en dépôt vente. Donc, quelqu'un l'a mis en vente au magasin, qui est une Taylor BTO. Donc, BTO veut dire Build to Order. Donc, en gros, quelqu'un a choisi les bois, le type de finition, etc. Et Taylor l'a construite. Donc, ce n'est pas un modèle comme la série 300, 400, 500 ou autre. C'est vraiment donc ce qu'on appelle une GS Custom. Donc, au niveau de la forme, on est sur une grande symphonie, donc avec un arrière un tout petit peu plus grand qu'une grande auditorium, qui va donner beaucoup plus de présence. Touche et chevalet en ébène. On va être sur un noyer américain qui est de toute beauté et avec un manche en acajou flammé. Donc vraiment une très très belle guitare, donc avec un bending en érable ondé et un cutaway en florentine. Donc florentine, en fait, c'est quand c'est pointu. Vénitien, c'est quand c'est avec le petit arrondi. Et avec renfort de la rosace au milieu également en érable. Donc, comme toutes les vidéos que l'on fait, je veux utiliser la DDSM dans un premier temps, donc ma guitare, pour voilà, se refaire comme un maître étalon, hein. Je reviens toujours sur ce précepte, mais ça permet quand même de pouvoir comparer correctement les instruments. Et après, je prends la BTO pour pouvoir faire les différentes démonstrations. Hop là! Donc, la DDSM. Maintenant, on va passer donc à la BTO. Donc, on va faire différents styles de musique avec. On va faire aussi bien de l'arpège qu'un petit peu d'accord et un petit peu de picking. Donc l'avantage de la grande symphonie, c'est vraiment ces graves vraiment limite drain-off qui permet d'avoir cette qu'on va faire aussi bien de la rythmique dans ce côté charnu. Avec également un excellent système. Thank you.
faire tout le morceau. donc voilà, on a au niveau son, le Walnuts va avoir l'avantage d'absorber un petit peu d'aigu, donc d'avoir ce côté beaucoup plus chaud et beaucoup moins criard que sur une folk traditionnelle. Même quand on va commencer un petit peu à attaquer, on aura quand même ce côté doux au niveau son. Donc c'est une guitare qui est vraiment en excellent état. Il y a juste un impact qui est, donc on fera la photo un petit peu plus clair par la suite, donc qui est juste en bas, mais sinon le reste de la guitare est vraiment très 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 bien conservé. Donc voici cette belle BTO, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, et si vous voulez venir la découvrir, allez à Mélodie Musique à Caen. Donc n'hésitez pas, on peut aussi communiquer par mail via le site sur mélodiemusique.fr. Merci de votre attention, et en espérant que cette vidéo vous ait plu. À bientôt, au revoir.